pense. Hein. Non, peut-être pas. Non, elle n'est pas désacralisée, celle-là. C'est pas la bonne. Bon. On cherche les dossards. Excusez-nous. On nous a dit que c'était dans une église. Bon. Les dossards sont allés chercher dans une église, mais je pense que c'est pas celle-là. Ah oui, alors cette église est un peu moins imposante en fait. Ah mais en fait vous avez déjà tous vos dossards. Nous on cherchait l'église. Donc on confirme. Les dossards c'est bien là. C'est beau. C'est la première fois que je fais une remise de dossards avec un marché artisanal du coin et non pas tout un tas de marques de running connues qui vendraient tout un tas de matériel de running. Eh bien, dossard 530. Et le kiff de ce dossard, c'est que on a tout le dénivelé et le parcours qui est inscrit dessus. Il n'y a plus qu'à remettre les barrières horaires. On a toutes les infos qu'il nous faut pour demain. Et je crois que vous avez tous les mêmes infos que moi, les gars. Week-end sur le festival des hospitaliers. J'ai pas encore enfilé ma corde parce qu'on est que samedi et mon départ à moi sur le 75 c'est demain. Le festival des hospitaliers propose plusieurs distances. Exceptionnellement cette année il y a eu un 180 km. Ils sont partis hier donc vendredi matin. Ça commence à arriver. J'ai eu l'énorme chance de voir l'arrivée de Lucas Papy que je vous laisse découvrir. Oh, bravo les gars! Super Lucas! Bravo! Bravo à toi! Voilà le géant du trail qui nous fait rêver tous et qui arrive tout sourire, qui arrive joyeux et qui enchaîne dans une demi-heure par le 14 km et le demain par le 75 km. Et là on va pouvoir assister au départ du 30 bornes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. T'es heureux? Ouais. Ouais. C'est bon. On l'a pris. Voilà. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Allez, on va laisser, de le finir, de kiffer, et de réverbère, mais
leur faire la DCC. On se lance vraiment sur un bon truc là. Et... on va aller la chercher si cette étoile. Monsieur le maire est prêt. Philippe, on va faire le décompte. On vous souhaite une bonne parole, messieurs. Voilà, donnez-nous vos impressions tout à l'heure en retour sur cette zone. Bornes, on attaque déjà la première belle montée des 500 des plus. Ce qui me rassure dès le départ, c'est l'état du sol, parce qu'on sait, quand on sait ce qui s'est passé au Templier il y a 8 jours, on aurait pu avoir une boue de fou. Finalement non. C'est trompé. Ouais, ouais, bonjour. Ouais, bonjour. Ouais, t'as avec moment, on a pris un chemin annexe. Ah, ah. Ouais, c'est pour faire durer le plaisir. Comment ça va bien? Impeccable. Nous, ça va impeccable. Et vous? Ça va, jusque-lors. Bonne journée, merci pour tous les bénévoles. Merci, à tout à l'heure. Je trouve que la particularité sur ce trail de 75 km, c'est que le premier ravito solide est seulement à 42 km. Il faut qu'on fasse 42 bornes en autonomie au niveau bouffe. Donc là, on est à Sauclière. Et on passe la barrière, la première barrière horaire. Après le caillou sec, on passe dans le gras. Le gras humide. Pas menti quand j'ai dit gras humide. Bon bah ça y est, on est dans la partie la plus dure du trail.
On arrive à 23 km là. Je vous mets le profil du parcours pour vous montrer que là, bah, en gros, on grimpe pendant quasi 15 bornes quoi. Ça monte bien. Aujourd'hui, j'ai de se rendre compte. Mais, vu mon souffle court, ça monte bien. C'est parti. On lâche rien. Mais... On est à 25 bornes, on vient de passer le deuxième ravito, toujours un ravito uniquement en liquide. La loose, c'est que j'ai une flasque qui s'est percée, du coup bah, elle s'est vidée sur moi, je suis trempée. Et heureusement que j'avais prévu une flasque de secours dans le sac à dos, ça permet de continuer d'avoir un litre d'eau quoi. Sinon le paysage derrière moi, est-ce qu'il est pas magnifique? Plus que ce qu'il faut, et je ressens un gros manque d'énergie. J'ai faim, j'arrête pas de manger, mais j'ai faim. Et plus aucun appui, pas avance plus. C'est le cas. J'ai mal nulle part, mais j'ai pas d'énergie. Toujours pas. Je viens de dire à Alexandre de partir. Je voulais pas faire servir de petit boulet pendant tout le trail. Donc il avance là. Et puis bah, moi, on verra ce que ça donne. Aussi, elle est encore là et en énergie elle est encore pas là. Je continue de manger mais j'ai l'impression que j'élimine tout de suite, que je garde rien. Mais bon, on va arrêter de se plaindre, de toute façon ça changera pas grand chose, faut avancer.
borne. Mine de, je crois bien qu'on arrive au bout de ces 15 bornes de montée. On est sur le point culminant du plus gros pétard. Et ça, ça fait bien plaisir. Je suis vidée, mais je lâche pas. Et je lâche pas, pourquoi? Parce que ce coin de nature, il est juste waouh. Quand t'essayes d'éviter le bourbier que tu te loupes. Hashtag vie ma vie de licorne. Courir dans des lieux aussi beaux, dans une nature aussi belle, dans toute sa simplicité qu'est la nature, ses couleurs, ses lumières. Waouh, bonheur. Et ça, comme j'aime le dire et je continuerai de le dire, courir dans des endroits comme ça, qui ne sont accessibles que grâce à mes jambes. Merci mon corps. Wouhou! Ah, le voilà, le gros rocher. J'avoue qu'avec la fatigue, je me rappelle plus du nom. Je vous l'écris en bas de la vidéo. Waouh, magnifique. Solide. J'ai un peu peur de l'hécatombe ici. L'impression que j'avais de rentrer dans un mouroir s'est avérée exister. Les trailers en règle générale ne sont pas forcément habitués à ça. Et ce qu'on vient de se taper là, c'est bien costaud quand même. Donc malheureusement, il y avait beaucoup de trailers HS. J'ai pas traîné moi. J'ai pris une soupe, j'ai rechargé le sac et j'ai eu la chance d'avoir les copains d'ADN GPS qui m'ont aidé un peu sur le ravito pour perdre moins de temps. Puis on est reparti quoi. En fait, les paysages sur ce trail, ils sont un peu crescendo quoi. C'est qu'au début, tu te dis ouais, c'est de la forêt. Puis plus t'avances, plus t'en prends plein les yeux quoi.
explosive là à 50 bornes, 9 heures de course. Je vous avouerai que ce matin, quand je vous ai annoncé que ça faisait 25 km que je courais, j'avais un doute sur le fait de pouvoir le finir. Parce que bah, le corps il est pour HS, manque d'énergie. Mais comme quoi, quand on y croit et qu'on lâche rien, le corps est une vraie machine. Même dans la douleur, même dans le manque d'énergie, même dans la baisse de morale, on peut toujours trouver un moyen de tenir, parce que le corps, il repartira toujours. Donc du coup, bah voilà, il reste 25 bornes. Et ça fait bien plaisir. C'est trop beau ça. Hey, tout à l'heure je t'ai pas fait un coucou toi ma chérie. Il y a même Pinky qui est là pour m'aider au ravito. Hey, t'es vachement revenu. Ouais. Ah bon? Ah ouais, ils sont là. Hein. Ah ouais? Ouais. Bon. Deuxième ravito. Ça c'est fait. Oh, attention mesdames. Cette entrée que j'ai failli te faire là. Voilà les loulous. Bah écoute, comment ça se fait que je vous retrouve là vous? Bon, j'ai encore fait un ravito flash. Allez c'est reparti. On va continuer de kiffer cette aventure. Bornes en un peu moins de 11 heures. Il en reste 15. Ça va le faire.
Bon, je valide. Le festival Les Hospites propose des parcours dingues. Dingues dans les jambes et dingues dans les yeux. Je crois qu'ici, il y a un petit peu de panorama. Un petit peu de panorama. De là. J'ai des alus. Bois de licorne. Allez, bravo à toi. Jusqu'à là. Bon. Petit point course. Je suis à 65 bornes à peu près. Et là, je me dirige vers le dernier ravito où se trouve la dernière barrière horaire. Et après, c'est Inch'Allah pour finir les 6 derniers kilomètres. Donc là, il me reste 4 bornes pour aller achever cette barrière. Allez. Je suis arrivée au dernier ravito avec la dernière barrière horaire. Et on est arrivé avec un quart d'heure d'avance sur la barrière. Et mais comment te dire que la dernière descente là, dans le noir, parce qu'il a fallu rallumer la frontale, ça a été un peu. On a un peu joué les cow-boys là-dedans quoi. Surtout on a vidé toute l'énergie qui nous restait. Sauf que là, techniquement, il nous reste encore 7 bornes. Bon, l'avantage, c'est qu'il n'y a plus de BH. Donc on peut se poser un peu là. Chose que j'ai pas fait du tout sur aucun des ravitaux. Là, je vais me poser un quart d'heure, 20 minutes. Parce que ça fait 13h30 que je cours et je me suis posée à aucun moment quoi. Donc là je vais me poser ouais un quart d'heure et puis on va le finir. Oh bonheur. Eh, un ravito avec des crêpes. C'est le luxe. Le grand luxe, quoi. L'ambiance de ce ravito, elle est un peu spéciale, quand même, hein, faut avouer. Mais là, j'avoue que je sais même pas quelle énergie j'ai trouvé et quand. Mais bon. On l'a et on va le finir. Bon, bah, finalement, je suis repartie du ravito assez vite. J'ai juste changé la batterie de la GoPro, mangé. Et c'est reparti. Sûrement l'envie d'en finir vite. Parce que là, je suis dans la dernière côte. Je suis au bout de ma vie. Au bout de ma vie, putain. Bon, bah, me voilà dans la dernière descente. Il me reste plus que 3 bornes, bordel. Plus que 3 bornes, quoi. Sauf que la descente est quand même bien technique. Et de nuit. Bon, bref. On arrive. On arrive, bordel. Je sais pas du tout comment j'ai trouvé les ressources pour le faire. Mais comme je vous ai dit dans la vidéo, le corps c'est une machine. Et à un moment donné, forcément, il est mort. Moi j'ai pas eu de bol, moi c'était dès le début. Mais faut jamais perdre à l'idée que le corps peut redémarrer. La preuve, au tout début, même sans en parler, au fond de moi, je me disais que ça ne le ferait pas. Et là, je suis en train de boucler ces 75 km du festival des hospitaliers. Nantes est là. Je ne sais pas si vous le verrez. Un GoPro.
c'est trop longtemps qu'on a vu un lampadaire. Retour à la civilisation. Merci beaucoup. Petite poulet sur la fin, là, c'est la fin, 100 mètres. Allez, j'arrive. Oh, attendez. Oh, moi, je filme. Je suis désolée, mais là, c'est pas possible de faire autrement. Moi, je suis trop en mode, faut que ça se termine. Bordel, ça se termine. Merci. Merci beaucoup. Oh. C'est parti. La révolution termine la réforme, c'est pas trop. Ouais. Donc félicitations, arrivée d'Aurélie Berthe. Comment vas-tu, ma chère Aurélie? Ça va mieux.